Alors, les modèles Y sont livrés en Amérique du Nord sans radar haute définition. Bon, ça continue, hein, le foutoir au niveau des livraisons. C'est étonnant, toutes ces disparités là. Alors, la sortie par Tesla de son ordinateur autonome de nouvelle génération, ainsi que des caméras et capteurs associés connus sous le nom de HW4, a été pour le moins déroutante. Même si Tesla n'a pas encore officiellement annoncé l'existence de HW4, sans parler des détails à ce sujet, le constructeur l'inclut dans les livraisons des modèles SAX depuis mars. L'inclusion de HW4 a été étendue au modèle Y la semaine dernière, mais contrairement au modèle SAX, il existe un équipement clé mis à niveau qui n'est pas inclus, du moins pour le moment. C'est l'unité radar haute définition. Tesla a pris la décision en 2021 de retirer le radar de ses véhicules et d'opter pour Tesla Vision, pour ramener le radar avec l'introduction du HW4 sur les modèles SAX plus tôt cette année. Cependant, Tesla n'inclut étrangement pas la nouvelle unité radar Phoenix dans le nouveau modèle Y équipé d'HW4. L'exclusion a d'abord été notée par TeslaScope sur Twitter. Et nous avons ensuite pu confirmer la même chose avec une de nos sources. Il y a encore beaucoup d'inconnus avec cette transition. La raison exacte de l'ajout de certains équipements HW4, comme les caméras mises à niveau et l'ordinateur lui-même, mais pas le radar, est inconnue à ce stade. Il peut s'agir d'un problème d'approvisionnement ou autre. On ne sait pas non plus quand ils seront ajoutés aux lignes de production de modèle Y. Mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de date cible pour leur inclusion. Nous ne savons pas non plus si Tesla modernisera l'unité radar sur les modèles Y, construit sans elle, à une date ultérieure, mais il serait logique de tirer pleinement parti des capacités du HW4. Une chose importante à retenir est que même s'il était inclus, cette unité radar est essentiellement inutile pour le moment, car le logiciel pour en tirer parti n'a pas été entièrement développé ou déployé. Même les voitures S et X équipées de radar, comme on le voit dans le tweet ci-dessous, sont toujours sur la même pile de pilotes automatiques et de FSD que tous ceux qui n'ont pas encore de radar. Très bien. Bon, c'est le bordel, quoi. En gros, on peut résumer ça comme ça. Hein. Un jour, Tesla sortira des voitures où il y a tout, tout, tout. Et c'est pareil, hein, si vous voulez revendre votre voiture, après, va justifier ça à un acheteur potentiel, quoi. C'est compliqué, il ira peut-être se diriger dans quelques années sur une voiture qui a cet équipement-là. Bon, après voilà, je vous laisse commenter.